laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rester. Avec Dieu, vivant. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Frère Maxime, nous parole ça, c'est une grosse parole. Et c'est en somme, David écrit dans un contexte de guerre, dans un contexte difficile, et apparemment, il y a un côté où elle est assemblée, et peut-être là, David est essayé une grande défaite militaire. Mais après ça, bon Dieu, levé tête, parce que, ou capable d'une histoire ça, et contexte ou bien arrière-plan somnant, le psaume 60, dans 2 Samuel 8, verset 1 à 18. Alors, chaque psaume, nous, il y a un contexte, historique, ça veut dire que l'or est somnant écrit, il y a un bagage qui t'a passé, qui poussait auteur-là écrit. Et même Jean, avec Épitionnat dans le Nouveau Testament, il y a toute une circonstance unique qui fait auteur là, écrit, bon Dieu servi avec auteur pour écrire d'après circonstance, par rapport d'après circonstance présente là. Et ici, c'est même bagarre là, dans le psaume 60, il y a David qui est dans un contexte de guerre côté l'été, a vraiment gagner bataille sous Philistins, Moabites et Syriens, Moabites, tout le monde ça. David était dans un gros combat, et bien, David a remporté victoire sur eux. Et bien, maintenant, frères et sœurs, mot exploit, dans l'hébreu, il y a un pile sens. Oui, il y a un pile sens, c'est ça que fait même. Texte français à ou pluriel. Donc, nous sommes capables de dire son mot polysémique qui a un pile sens, un exploit militaire, une exploitation tout capable de faire sur le monde, un exploit succès dans toute bagarre. Mais ici, le mot exploit, il a un sens victoire. Exploit ici, il a un sens victoire, vainqueur, conquérant. En termes de miracle, côté que il n'y a pas un antécédent humain là-dedans. C'est mon Dieu qui a dirigé, exploit ça. Eh bien, c'est ça, maintenant. Donc, avec Dieu, nous faisons des exploits. Ici, nous avons comme frère principal, nous, là, c'est la foi et la base de tout exploit en Dieu. Oui, la foi est la base de tout exploit en Dieu. Moi-même avec vous, pour nous capables de faire quoi que ce soit en termes d'exploit, nous besoin exercer yon bagay. Nous besoin de moyens. Et moyens, bon Dieu, de nous, c'est la foi. Et si nous analysons ce moment, nous avons David. David, tu mettais confiance dans bon Dieu. Tu mettais confiance dans bon Dieu. Et où est limité verbe là au futur? Il parlait avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça veut dire que c'est par la foi. C'est par la foi. David était dans une situation difficile, parce que nous connaissons David lui-même ici, il est le plus grand roi, et le plus grand roi qui était bien dans l'époque, pas là avant, et le deuxième roi d'Israël, David était un symbole, tout bon roi. En Israël, c'était un homme consacré à Dieu, c'était un homme de foi. Donc David, nous connaissons homme vraiment qui était fait heureux. Mais nous connaissons que David, parole de Dieu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un homme qui était voué à Dieu. David, c'est un homme qui était vraiment consacré, qui était confiance dans bon Dieu. Frère Maxime, avant d'aller plus loin, nous avons que nous découvrions ce que ça. Nous devons comprendre ça. Tout ça, nous sommes capables de faire comme exploit dans bon Dieu. Toute victoire, c'est une question de reposer
sous mon Dieu de la foi. De la foi, de confiance que nous avons dans le bon Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons parfait. Ce n'est pas parce que nous avons parfait comme nous qui sommes totalement bons dans la nature. Oui, nous devons respecter une certaine règle conforme qui peut faire que nous devons avoir succès, que nous devons faire bon Dieu plaisir. Premier élément, élément de base pour nous faire, pour nous capables de faire bon Dieu content, c'est la foi. Nous songeons, il dit, dans Hébreux 11, verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frères et sœurs, nous devons songer ça bien. Si nous n'avons pas la foi dans bon Dieu, nous pas qu'à faire bon Dieu plaisir. Et songez, Abraham, c'était un ami, mon Dieu. Par qui je, par comment, le moyen c'est la foi. Moïse, qui fait grand exploit, c'est pas la foi. Tout le monde dans l'Ancien Testament qui te fait tout ça, ou qui fait son question de la foi. La foi, ça veut dire, ou fait mon décrédit, même là, on a un moment difficile, ou pas, ouais, qui j'en bagaille là, capable de venir, et bien, ou fait mon Dieu confiance, mon Dieu capable de faire quelque chose. Et nous reposer sur une culture qui est assurée. Et dans la Bible, frères et sœurs, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est une question de foi d'abord. Et c'est la foi qui va le faire nous mener en vie pieuse. C'est la foi qui va le faire nous mener en vie humble. C'est la foi en Dieu qui va le faire nous capables de mener en vie conforme à la parole de Dieu. Donc la foi, c'est l'élément principal. La foi, c'est l'élément de base pour nous servir, bon Dieu, pour nous faire n'importe bagaille dans le pécaï, bon Dieu, c'est par la foi. Parce que nous ne pouvons pas voir bon Dieu comme un bout de bois, nous ne pouvons pas voir bon Dieu comme un caille, mais bon Dieu après était toujours invisible. Mais lorsque nous exerçons la foi, confiance ferme dans bon Dieu, eh bien, bon Dieu promet nous, bon Dieu garantit nous, exploit et victoire dans toute bagaille. David, dans une situation difficile, il était besoin de bataille, gourmet, et bien, il était besoin de confier dans bon Dieu. Frères et sœurs, il y a un ensemble de bagailles. La foi, ça, la chita sous nous. Et bien, pour nous capables d'exploiter ça dans bon Dieu, nous besoin c'est la foi dans l'amour bon Dieu. Nous avons besoin de placer notre foi dans l'amour de Dieu. Nous sommes avec vous pour nous capables réellement d'exploiter dans la vie, nous, sur tous les points de vue. Quelle que soit conception en vie, quelle que soit vie, ça nous gagne ici à perception, conception, quelle que soit ça nous gagne, nous besoin à garder l'amour de Dieu. La difficulté la vie, ouais. La difficulté la vie, nous besoin de confiance dans bon Dieu par rapport à son amour, c'est-à-dire Dieu nous aime. Puisque Dieu nous aime, eh bien, bon Dieu a part avec nous, l'a accompagné nous, nous n'a pas besoin de battre contre nous, nous avons besoin d'assurer nous, mettre la foi dans l'amour bon Dieu. L'amour bon Dieu, ça a garanti nous extra. L'autre bagaille, nous avons besoin d'exercer la foi dans bon Dieu par rapport à sa bonté. Nous besoin de connaître que bon Dieu, non seulement son bon Dieu d'amour, c'est-à-dire bon Dieu aime nous sans condition, à la fois, mais bon Dieu bon. Dieu est bon envers nous, envers Israël, c'est-à-dire bon Dieu a toujours fait des choses qui sont bonnes pour nous. Bon Dieu pas passé mal pour nous, bon Dieu pas plagué nous dans une situation pour le détruire nous, même le nous avons souffrance, même le nous avons difficulté, eh bien nous besoin qu'on ait bon Dieu bon, n'importe ça nous est devant nous, hein. Bon Dieu a fait nous une opportunité là-dedans pour nous faire exploit, parce que nous c'est petit bon Dieu, eh bien nous avons un royaume victoire, nous avons un royaume exploit. L'autre bagage encore, frères et sœurs, nous besoin de compter sur bon Dieu par rapport à sa fidélité.
Par rapport à ça, à la fidélité de Dieu, nous devons connaître que bon Dieu fidèle, c'est-à-dire bon Dieu pas changé dans sa nature, bon Dieu pas changé à l'égard de nous. Un yé pas pral fait bon Dieu changer dans sa lié pour nous. Bon Dieu a toujours été papa nous. Bon Dieu a toujours été protecteur nous. Bon Dieu a toujours été sauveur nous. Bon Dieu a toujours été défenseur nous. Ça veut dire que bon Dieu est fidèle. Bon Dieu pas privé en côté pour dire ah m'bouquer avec un tel. Bon Dieu pas privé en côté pour dire pas capable encore un tel. Alors frères et sœurs, base là c'est pour nous de confiance dans bon Dieu. Pour nous aimer bon Dieu à tout esprit nous, à toute âme nous, à tout cœur nous. Pour nous pas faire route à gauche, pour nous pas faire route cochée, pour nous pas vraiment perdre la foi, et puis pour nous servir l'autre bagaille, pour nous marcher dans la direction cochée, dans la route qui pas fait bon Dieu plaisir. Depuis nous marcher dans la condition ça, nous rester sous voie bon Dieu, et bien nous besoin connaître bon Dieu fidèle. Et, s'il vous plaît, nous pas besoin fidèle tout le temps, à mettre ça dans la tête nous. Je dis à ma fait tout effort possible pour respecter parole, bon Dieu. Ou a fait tout effort possible pour respecter parole, bon Dieu. Mais attention, pas de perfection sur la terre. Pas de perfection dans ici là. Ça veut dire que, bon Dieu, ou qu'arrive un côté, ou font erreur. Erreur fait à papa le dit, bon Dieu, papa le dit, ah, mon cher, pas besoin de chier encore. Pas besoin de chier encore, monsieur fait erreur ça. Mon pape servir avec lui encore. Si nous te consacrons Maxime, nous ne pouvons pas connaître l'histoire bon Dieu avec Abraham. Nous ne pouvons pas connaître l'histoire bon Dieu avec Abraham parce que avant nous, Abraham arrivait pour les amis bon Dieu, Abraham commet un pile erreur dans la route là. Abraham commet un pile erreur. Abraham descend en Égypte, bon Dieu, pas d'il descend en Égypte. Abraham, li d'accord pour li capable font petit avec Agar sous influence de Sarah. Eh bien, c'est pas ça, bon Dieu te dit, bon Dieu te dit, la ballon petit, mais pas de dire, c'est pas Agar. Bien entendu, contexte Abraham te ya, ça va lui dire Abraham te péché contre culture là. Abraham pas de commettre un lien que nous te les de péché, je dis ya. Parce que culture à l'époque, te dit si madame Maria pas qu'a fait petite eh bien il est capable de faire petite à travers servante lui donc ça nous voit Abraham te fait à Sarah te pousser le faire c'est ton bagage culturel c'est ton bagage la loi te accepté dans époque là et ensuite Abraham pas de quel non-sens comme s'il était bon esprit Chanel qui brûle il était ouais Agar c'est ton belle-fille il vient coucher comme servante non Abraham d'accord parce que principe pays a été dit, principe pays a été d'accord ça, c'est normal, servante la capable de faire petit pour madame Maria, et ensuite Abraham fait logique, donc puisque mon Dieu fait une promesse, et ma grand monde, et bien ma chercher postérité, il promet, mais il y en a Agar, sans que ce n'est pas un bagage, il planifie comme si on y aurait, comme si on allait la fin des zones. Well, donc ça veut dire, là, Abraham pas de fond bagaille comme si dans des ordres. Ça fait dans Malachie. Bon Dieu pral dit, Abraham te fait ça, mais il te fait avec bon sens. Il te fait la bon sens parce qu'il t'a cherché postérité que bon Dieu te promet qu'il y a. L'autre monde encore, frères et sœurs, qui te fait exploit, mais il était imparfait. Moïse, David, après David, si nous faisons, où elle te fait, nous, bon Dieu, pas jamais jeté David, David repenti, lui changer, et bon Dieu continue de travailler avec lui parce que bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle, lui te fait David promesse là toujours avec lui. Et nous, tout grand monsieur, ça a été fait grand exploit. Et nous, côté Pierre dans le Nouveau Testament, Pierre te péché contre Jésus-Christ, eh bien, lui crie amèrement, lui repenti, et Jésus-Christ continue avec lui. Jésus-Christ renouvelé,
Jésus-Christ le ville en dignité. Et c'est Pierre qui peut aller prêcher côté que 3000 amis à la repentance. Et bien, frères et sœurs, je dis à nous-mêmes avec vous, nous sommes capables de continuer ce travail, apôtre Pierre. Et bien, mon Dieu, ça fidèle. Bon Dieu fidèle. Et l'autre bagaille, nous besoin compter, nous besoin compter, mettez la foi nous, dans bon Dieu par rapport à ses promesses, pour nous gagner exploit, pour nous gagner victoire, pour nous gagner succès. Nous besoin connait promesses bon Dieu certaines, promesses bon Dieu certaines et véritables. Ça bon Dieu te promet ou en quel que soit degré, dans quel que soit niveau à, et bien, c'est bon Dieu qui promet tout le ou a réussi. Et frères et sœurs, si moi-même avec qui t'as compté aujourd'hui, mais exploit que nous fait, victoire que nous connaît, nous pas capable assez de paroles pour nous être capable de glorifier bon Dieu. Nous pas capable assez de mots dans la bouche suffisant pour nous être capable de glorifier bon Dieu. Matin qui t'aime doux, exploit que nous besoin dans n'importe domaine, dans domaine spirituel, nous capables de faire exploit, mais nous mettons confiance nous dans bon Dieu. Dans domaine social, nous capables de faire exploit, mais nous mettons confiance nous dans bon Dieu. Dans domaine économique, nous capables de faire exploit et puis nous placer confiance nous dans bon Dieu. Dans domaine physique, nous capables de faire exploit depuis nous placer confiance nous dans bon Dieu. Frère Maxime, David était dans une situation difficile, il était en bataille avec l'armée qui t'a voulu à Israël. Il t'a gommé, bon Dieu, t'es bali exploit. M'bakon est dans qui bataille qu'on y est, ma père. M'bakon est dans qui lutte qu'on y est. On ne doit pas bataille, même Jacques David, avec l'armée. Mais, on va bataille quand même. Et surtout, nous-mêmes qui en Haïti actuellement, ah, frères et sœurs, c'est parti bataille. Pas d'espoir encore, l'on regarde humainement parlant, pas d'espoir pour le monde d'arrêter en Haïti. L'on regarde le contexte politique, contexte sociopolitique, là, c'est comme si pas d'espoir pour le pays ça encore. C'est comme si tout le monde était abandonné, mais quitté le Dieu. Dans moment, on a mis un moment difficile, bon Dieu, il y a des bagailles à faire. Bon Dieu, il y a des exploits qui sont capables de faire nous faire. Ouais, dans un moment difficile, dans un pays difficile, ça, bon Dieu capable de servir avec nous. Bon Dieu capable de faire nous faire exploit. Frères et sœurs, l'exploit que nous sommes capables de faire, dans bon Dieu, c'est par la foi, dans l'amour, bon Dieu, dans la bonté, dans la fidélité, dans la promesse. Li. Et nous marchons de victoire en victoire. On nous marche pour nous retenir à l'exploit. Ça a eu, parce que bon Dieu, nous sommes bon Dieu qui a fait nous faire exploit dans tout niveau. Parce que nous sommes nous qui mettons confiance dans la vie, que bon Dieu est capable de nous. Amen.